Je vais rejoindre sur l'île de Porquerolles Margot et Joaquin. Il sera question de la chimie des plantes. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, consommer des plantes, c'est aussi consommer des principes actifs dont certains sont parfois dangereux. Pour nous en convaincre, nous sortirons de l'île de Porquerolles, nous irons jusqu'à Bornéo, chez les coupeurs de tête, et au sud de Marrakech, à Moulay Brahim. En forme? Oui. Vous avez pensé à la cavalerie? Oui, ça y est. Ils sont là, les on y va. Alors ça va comme vous voulez? Ouais, très bien. Ça s'est bien passé, le voyage. Ah, le voyage s'est bien passé, oui. La mer était... Ça a été rapide, hein? Ouais. On va s'arrêter là parce que il y a des buissons. Et dans les buissons, il y a sûrement des petites choses intéressantes. Il y a plein de petites bestioles qui vivent là-dedans. Elles se cachent, surtout quand on a affaire à un roncier comme ça. Et la ronce, ça fait quoi comme fruit? Les murs. Ça fait des murs. C'est bon la confiture de murs, et pas seulement pour les gens bien portants. Aussi pour les gens qui ont des enrouements, qui ont les cordes vocales irritées, qui ont les voies respiratoires supérieures irritées, la gorge, tout ça. Alors il faut manger de la confiture de mûre. Et puis la ronce également, bah, c'est bien armé. Qu'est-ce qu'on voit là? Des épines. Alors quand on se frotte après les épines de ronde, qu'est-ce qui se passe? On saigne. Ouais, on se fait des griffures et puis ça saigne. Alors, la ronce blesse, mais elle soigne aussi. On prend la feuille, on écrabouille la feuille entre les doigts comme ça, et puis on frotte sur la griffure, et ça arrête le sang de couler. Ça l'empêche de couler. Il y a des produits qu'on appelle des coagulants, hein, qui arrêtent l'hémorragie. On file un peu plus loin? Ok. Regardez comme c'est beau. Un tapis tout rouge. Ah, mais c'est du poison alors? Mais non, c'est pas du poison. C'est quoi alors si c'est pas du poison? Ben, c'est un fruit, c'est le fruit d'une aubépine géante. Alors tout ce qui est rouge n'est pas dangereux. Nous on s'arrête au feu rouge parce qu'il y a danger. On arrive au carrefour, à tes souhaits. Quand on arrive près d'un passage à niveau et que la lumière clignote rouge, on s'arrête. Le train va passer. Donc c'est chez nous une alerte le rouge. Mais c'est pas toujours le cas pour les fruits. Goûtez-le pour voir. C'est un peu granuleux. C'est pas terrible. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment du poison, quoi. C'est pas très bon, mais c'est pas du poison. Les mamans qui ont des poupons en Afrique du Nord, là où pousse cette aubépine, quand l'aubépine est en fleur, elle est très belle et elle sent très bon. Qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent avec leurs poupons, elles s'installent dessous, elles présentent le poupon à l'arbre, mais en même temps, elles le présentent à la nature, et elles demandent à la nature de le protéger. C'est une belle histoire, hein? Ouais. Allez. Mais comment on sait qu'il y a des plantes toxiques et des plantes comestibles? Bah, tu sais, aussi longtemps qu'on puisse remonter, la première préoccupation des hommes, comme celle d'ailleurs de tous les animaux, bah, c'était de manger, c'était de trouver sa nourriture. Alors, il essayait des tas de trucs, un fruit par-ci, une feuille par-là, une racine à cet endroit, il goûtait. Alors, de temps en temps, bah, il tombait mal. Mais imagine-toi, tu te promènes, tu as une feuille d'arbre à côté de toi, tu la prends, tu la mâchonnes. Hein, tu la mastiques un petit peu, le goût n'est pas terrible, tout ça, tu la recraches, mais après avoir sucé cette feuille, tu te rends compte que la migraine que tu avais disparaît petit à petit. Et ben, tu t'en rappelles de ça, ce qui fait qu'un jour, si tu as une migraine, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher cette feuille, tu la mastiques à nouveau. C'est comme ça que les hommes, petit à petit, quelquefois, ont fait des expériences effectivement très graves pour eux, ils en sont morts, mais quelquefois, ils ont découvert des petites choses qui leur ont rendu la vie plus facile.
Il y a des gens qui vivent encore aujourd'hui comme vivaient nos ancêtres, directement en relation avec la nature. C'est la nature qui les nourrit totalement. Alors ils vivent même dans le bois, sur des maisons qui ressemblent à des bateaux, elles sont sur pilotis. Eh bien ces gens-là, j'en ai vu. J'en ai vu à Bornéo, c'est en Malaisie, et ce sont les ibans. Alors j'ai eu la chance de passer un long moment avec ces gens-là et je vous assure qu'ils m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont d'abord apporté de l'humanité parce qu'ils se respectent tous, ils vivent en solidarité, ça c'est très important. Et les gens qui vivent dans la nature sont souvent des gens très solidaires. Et puis en même temps, ils m'ont beaucoup apporté parce qu'ils connaissent plein de choses. Et j'ai fait de grandes balades dans le bois, dans la forêt, avec un savant. Il connaît toutes les plantes de la forêt. Et il m'a montré à la fois des animaux qu'il mangeait, hein, des varans notamment, puisqu'ils se nourrissent de lézards aussi quelquefois, mais des plantes qu'il récolte, des plantes sauvages, qu'il récolte pour se nourrir. C'est le cas du jacquier, ce sont des gros fruits comme ça, accrochés un arbre qu'on appelle le jacquier justement, et ces fruits sont comestibles. Alors quand on les ouvre, dedans il y a une chair blanche qui est bonne à manger, elle est riche en amidon, elle est légèrement acidulée, tout ça c'est très agréable. Il faut quand même que je vous dise que les gens avec qui je me suis promené dans la forêt, notamment un chaman, eh bien connaissaient 1000 plantes à peu près. Il connaissait 1000 plantes dans la forêt capables de les nourrir et de les soigner. Et ce monsieur, c'était un véritable savant. Ben voilà une friche. Ouais, c'est intéressant ça, on va trouver d'autres plantes là. C'est derrière un chantier d'ailleurs. Et dans les friches, on trouve souvent des plantes d'ailleurs qui ne vivent que là. Elles recherchent les friches pour s'installer. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans les friches, c'est la présence de plantes qu'on ne trouve que là, ou principalement là, des plantes toxiques. Mais avant ici, il y avait une forêt de mimosa, mais ils ont enlevé parce que ça envahissait tout, il n'y avait plus rien qui poussait. Ah ça, le mimosa, dès que tu l'installes quelque part, il devient dominant, il fait de l'ombre aux plantes et il les détruit. Alors je suis venu directement ici parce qu'il y a un talus. Il y a de la fraîcheur à regarder. Ça, c'est de la morelle noire, c'est toxique. Ça, c'est datura, c'est toxique. Ça, c'est le cocombre des ânes ou le cocombre d'âne et c'est toxique. Vous connaissez cette plante? Oui, quand on marche sur les fruits, ça explose. Oui, oui. Ben, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas le faire exploser. Alors, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Vous voyez, quand on écrase le fruit, hop, il y a du jus qui part et en même temps, il y a des... Regardez. Les fruits qui sont expulsés. Si vous prenez une goutte de ce jus dans l'œil, eh bien, je vous certifie que ça fait vraiment très très mal. Autrefois, on utilisait cette plante également comme purgatif. Mais on s'est rendu compte que c'était tellement dangereux, il y avait tellement d'accidents que maintenant, ben, on la laisse tranquille. Alors derrière vous, là, il y en a une autre. C'est une plante, non plus de la famille des courges, mais de la famille des tomates et des pommes de terre. C'est la morelle noire. Voilà. Alors ça, c'est très dangereux aussi. Il ne faut pas en faire de la confiture, même pas les porter dans la bouche. Ça crée des nausées, ça donne des coliques très, très fortes, très puissantes, ça peut même donner une espèce d'effet de somnolence et ça peut conduire à la mort. Hein. C'est vraiment une plante très dangereuse. Mais parmi toutes celles-là, il y en a une qui a été arrachée d'ailleurs, regardez. C'est ce qu'on appelle le datura. Alors celui-là a été arraché, les racines sont sèches. Et celui qui l'a fait, ben, ça l'a fait évidemment sciemment. Il voulait la détruire. Et ça, c'est très important parce que toute la plante est toxique. La racine, la tige, la feuille ici qui est sèche, le fruit est toxique. Les graines sont toxiques. Regardez les graines ici. Et toutes ces graines-là bah, vont donner une plante elle-même très toxique. Et ça, c'est très envahissant. C'est-à-dire que si on laisse le datura se développer ici, il va recouvrir cet espace. Bah, vous voyez, hein, dans les friches, hein, c'est comme ça, s'installent des plantes qui, curieusement, bah, sont souvent des plantes dangereuses. Alors il est temps que les pins poussent parce que les pins vont faire de l'ombre
Et ces plantes-là ne supportent pas l'ombre. Alors elles vont disparaître. Pourquoi il y a de la roche? Parce qu'il y a... Mais c'est de la terre. Tu vois, avant que la mer ne soit à ce niveau. Ah bah le voilà le fort. Avant que la mer soit au niveau actuel, elle était 100 mètres en dessous. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'île. Michel, c'est quoi cette plante? C'est une des plantes en fleurs de cet endroit. C'est une jusquiane, la jusquiane blanche. Alors ça aussi, c'est une plante toxique. Il y en a plein partout autour. Hein. Elle est complètement à sa place ici. Elle a de la lumière, elle est près de ruines, elle est sur de la rocaille, elle vit dans le désordre. Mais elle a aussi besoin de soleil. C'est une plante très, très, très dangereuse également. Pendant très longtemps, on l'a utilisée pour empoisonner des gens. On leur glissait cette jusquiane dans leur alimentation ou dans les breuvages. C'est vraiment une plante dont il faut se méfier. Pourtant, regardez comme elle est très belle. Touchez-la aussi, vous allez voir, le contact de cette plante est très très curieux. On a l'impression qu'elle est en cire. Ouais. Elle ne ressemble pas à une autre plante au toucher. Mais est-ce que toute la plante est toxique? Toute la plante est toxique. Depuis les racines jusqu'aux fleurs, même aux graines. Oui, mais tu es une sportive, toi. J'ai vu que tu as dégagé les mollets pour mieux pédaler. Il y a plein de champignons qui sortent. Hein. Il y a notamment le clâtre. Il y en a là. Ça, c'est un champignon qui n'est pas appétissant quand on le regarde. C'est vrai, hein, il est plutôt repoussant. Il ressemble à un corail rouge. D'accord. Et on le compare à ce qu'on appelle des lanternes vénitiennes. C'est un champignon qui n'est pas appétissant, il pue, hein, il pue la viande en décomposition, il attire les mouches. Mais quand il est jeune, quand il sort de l'œuf, comme ça, on peut le manger. Il a le goût du radis. Alors, il y a des champignons qui sont très, très beaux, mais par contre, ceux-là sont très dangereux. Vous en connaissez? La manie de phalloïde. Oui, la manie de phalloïde, entre autres. C'est vrai qu'elle est appétissante, on se balade, et puis, elle nous séduit, alors on se penche et on l'accueille. Et il y a une quinzaine de jours, dans la forêt d'Orient, on en a trouvé. Alors il suffit de la prendre, de la regarder d'un peu plus près, et son chapeau, quand il est bien étalé, il est légèrement incurvé. Et il est de la couleur de l'olivier. Alors pas toujours, hein, quelquefois, ça tend vers le blanc. Mais enfin, généralement, c'est vert olivier. Quand on la prend, on la soulève, on voit que son pied est bien élancé, il est élégant. Autour, il y a un petit anneau. Au pied, il y a une volve toute blanche. Et quand on coupe la manite, eh bien, on voit que sa chair est toute blanche. Donc là, c'est aussi un signe d'amanite dangereuse. D'accord? Il faut donc se méfier. D'autant plus que quand on prend la manite, on la brise, on la sent, ça sent la rose. C'est plutôt sympa, non? Quand on la met à frire, il se dégage une bonne odeur. Et quand on goûte, c'est très bon. Alors, on est content de soi, on a fait un bon repas, on va se coucher. Et puis, 6 heures après, quelquefois 24 heures après, on est pris, on a des douleurs terribles, ça fait mal dans le ventre, on vomit, on a la diarrhée, ça devient de plus en plus douloureux. Et bien, tout simplement parce que dans la manie de phalloïde, il y a des toxines, il y a des poisons qui attaquent les reins et qui attaquent le foie. Et là, on est quasiment foutu. Hein. C'est-à-dire que quand ça commence... Ah oui, on peut en mourir. Ça tue 90 fois sur 100, la manie de phalloïde. Donc attention, hein. C'est beau, mais on ne les mange pas. Par contre, ce que je vais vous donner à manger, ça, faites confiance, c'est bon. Oh là là, ça a coulé dans ma poche, je crois. Bah, je trimballe depuis tout à l'heure. Tiens, tu en prends? Ça reste comestible, hein. Ah, ça, c'est pas appétissant, mais c'est bon quand même. Hein. Merci. On se le partage? Je t'en prends un bout, hein. Allez, hop. C'est beau. Vous voyez cette allée de pins parasols? Comment est-ce qu'on les appelle aussi? Papillons. Et les graines de papillons sont très bonnes à manger. On les met dans la salade.
Ah ben voilà ici, voilà là. Ah oui. Voilà le fort dont on parle depuis tout à l'heure, sans en trouver. Vous voyez, approchez-vous, c'est cette plante là. Vous voyez, quand je prends une feuille, je blesse la plante, il y a du lait qui s'écoule, c'est du latex. Et ça, c'est très caustique. C'est quoi caustique? Ça veut dire que c'est acide et que ça brûle. Alors, il faut surtout pas s'en mettre dans les yeux, hein. C'est terrible, ça fait vraiment très très mal. Et il peut y avoir des complications nerveuses et cardiovasculaires. Tous les euphorbes, hein, tous les euphorbiacées, toutes les plantes de cette famille sont dangereuses. Il faut faire très attention. Alors, certaines ressemblent à des herbes, d'autres ressemblent à des arbres. Par exemple, l'EVA, dont on tire un latex qui permet de fabriquer le caoutchouc des pneus de voiture, des pneus de vélo, eh bien, appartient à la famille des euphorbiacées. Ah, ça te fait rire? Ben, je vais te raconter des histoires de sorcières, tu vas voir. Allez, on y va. C'est justement un temps qui permet de parler des sorcières. Est-ce que ça existe encore, les sorcières? Non. Eh bien si, ça existe, les sorcières, et même des sorciers. Alors ça existait au Moyen-Âge, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a encore des gens dans l'ombre qui savent utiliser le pouvoir des plantes. Notamment dans la famille des pommes de terre, des tomates, etc., des solanacées. Il y a des plantes qui sont très utilisées encore aujourd'hui par des sorciers et des sorcières. Mais alors, les sorciers et les sorcières n'utilisent pas que des plantes. Elles utilisent aussi des animaux qu'elles vont récupérer dans la campagne. Donc elles associent des plantes et des animaux. Et il y en a un qu'elles utilisent très souvent, c'est le crapaud. Le crapaud buffo-buffo, le buffo commun, c'est le gros crapaud. On ne trouve pas ici à Porquerolles, mais on le trouve par contre sur le continent, là-bas il abonde. Quand on le prend, ce crapaud, quand on l'excite, eh bien ce venin se met à ressortir à travers sa peau. Et on le voit apparaître la glande, notamment les glandes qui sont juste derrière la tête, qui sont très grosses, elles deviennent brillantes et on peut voir apparaître le venin. Eh bien ce venin, les sorcières le prenaient et elles le mettaient avec les plantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles fabriquaient une espèce de mixture avec tout ça, elles ajoutaient de la graisse d'oie pour que ça soit plus facile à étendre et elles s'en mettaient partout sur la peau. Sous les bras, entre autres. Ça les intoxiquait pas? Ben si, ça les intoxiquait. Ça les shootait complètement. Alors elles tombaient raides par terre. Mais en même temps, comme dans ces produits-là, comme dans ces poisons, dans ces venins, il y a des substances hallucinogènes, eh bien, elles s'imaginaient, elles se voyaient en train de survoler des paysages, la mer, les montagnes, etc. Et quand elles revenaient de leur délire, eh bien, elles racontaient ce qu'elles avaient vu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on représente encore les sorcières en train de survoler les paysages en chevauchant des balais. Des produits de sorcellerie, j'en ai rencontré très souvent sur mon chemin, et surtout dans un petit village qu'on appelle Moulebrahim, c'est au Maroc, au pied de l'Atlas, à une quarantaine de kilomètres de Marrakech. C'est un petit village accroché dans la montagne, c'est très beau tout autour. Et c'est un village dans lequel il y a un marabout. C'est quoi un marabout? Alors, le marabout, dans la religion musulmane, c'est le sage. C'est la personne que l'on respecte. C'est la personne qui connaît plein de choses et qui sait aussi guérir. Alors, les gens viennent souvent en pèlerinage sur la tombe des marabouts. Et c'est le cas à Moulebrahim. Moulebrahim, c'est des marches partout, c'est des petites ruelles, il faut grimper sans arrêt quand on est dans ce village, c'est un peu fatigant d'ailleurs. Et puis il y a plein d'échoppes de guérisseurs, des guérisseurs en tout genre. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des choses qui ressemblent un peu à des pierres, en fait c'est de l'encens qui est mélangé à plein de produits, et ça on le fait brûler pour donner une bonne odeur dans la maison, mais en même temps pour purifier la maison. Il y a du soufre, il y a aussi du coule. Le coule, c'est un minéral que l'on écrase pour se décorer les yeux, pour se maquiller. Mais il y a aussi des plantes, et puis il y a plein d'animaux. Il y a un vrai bestiaire, autrement dit, il y a plein d'animaux desséchés. Alors il y a du porc-épic, il y a de la gazelle, il y a du renard, il y a du chacal, il y a du serpent, il y a du varan, c'est vraiment étonnant. Et puis il y a des caméléons. Et puis il y a aussi sur ces étals des petits cônes. Alors là-dedans, il y a des cailloux, il y a des plantes, il y a des morceaux d'animaux. Et ça, ces petits cônes, quand on arrive à la maison, on déballe le papier dans lequel ils sont emballés et puis on les met dans le feu, on les met sur de la braise, ça dégage une énorme fumée. Et cette fumée a pour, comment dire, pouvoir de chasser le mauvais œil et en même temps de guérir tous les gens qui sont malades dans la maison. Moi, je crois un peu à ces histoires-là quand même. C'est
pas de la mousse en fait, c'est du lichen. Ben, c'est presque un champignon, parce que le lichen, c'est une histoire d'amour entre un champignon puis une algue. Le lichen, ben, il abrite l'algue, et l'algue apporte au champignon ben, les produits de la photosynthèse. Le champignon lui apporte de l'eau aussi, parce qu'il c'est un peu comme une éponge, hein, ça charge en eau. Il lui apporte aussi des sels minéraux. Hein. Donc c'est pas de la mousse en fait, c'est du lichen. Toxique. Vous allez chez l'horticulteur, vous en achetez, vous creusez un trou dans le sol dans votre jardin, vous la plantez et tout se passe bien. Elle se développe très vite pour peu qu'il y ait de l'eau dans le sol. C'est une plante du bassin méditerranéen, mais elle a quand même besoin d'eau. C'est pourquoi on la trouve dans les lits de rivière, dans les ouèdes. Et bien cette plante ravissante, elle peut porter la mort. Sa sève est très toxique. Les chèvres, quand elles crèvent de faim, elles vont crever de faim à côté de l'oreiller rose, mais elles ne penseront même pas à le manger parce qu'elles savent que de toute façon, c'est dangereux. Il y a des gens qui ont fabriqué des brochettes avec des branches de laurier. Ils ont enfilé la branche à travers les petits morceaux de viande, ils ont fait griller la viande, ils ont mangé la viande ensuite. Et bien c'était suffisant pour les empoisonner. Parce que la sève du laurier, la sève de la branche, avait transmis la toxicité à la viande. Donc vous voyez, attention, hein, la bine ne fait pas le moine, surtout chez les plantes. J'ai attendu Margot. Oh les filles, alors faut toujours les attendre. Oh là là, t'exagères. Hein. Tu t'es mis sous un eucalyptus. Ça me rappelle ma grand-mère. Non pas qu'elle se mettait sous les eucalyptus, mais parce que là où elle habitait, dans le Morvan, il n'y avait pas d'eucalyptus. On lui ramenait des feuilles d'eucalyptus quand on venait en vacances dans le midi. Et dès qu'arrivait l'hiver, elle prenait des casseroles, elle mettait ça sur le fourneau avec de l'eau dedans qui chauffait. Et de temps en temps, elle mettait des feuilles d'eucalyptus. Et pendant toute la journée, toute la nuit, elle mijotait et elle libérait leur essence. Ça sent bon, non? Vous savez tout ça déjà. Hein? Eh bien, dans cette essence, il y a de l'eucalyptol. Et l'eucalyptol, c'est un antiseptique. Ça désinfecte, ça purifie en quelque sorte l'air que l'on respire. Et ça, c'est bien de le faire avant l'hiver ou pendant l'hiver, comme ça, ça nous protège un peu de la grippe et du rhume. Allez, notre dernière étape, c'est le fort Sainte-Agathe qui domine l'île. Quel paysage, dis donc. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que vous avez retenu de notre balade, de notre petit morceau d'aventure? Bah, qu'il faut faire attention parce que dans la nature... Toxique, pas toxique, ouais. Si on les cuit d'une mauvaise manière, un truc comme ça. Vous en connaissiez déjà de ces plantes. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ça montre bien que la nature est généreuse. À la fois, elle nous nourrit, elle nous soigne, elle nous habille aussi. Hein. Mais... En même temps, elle peut aussi nous empoisonner. C'est-à-dire qu'un produit qui pourrait être un vrai médicament peut devenir un poison si on se trompe quand on l'utilise. C'est ça quand même, hein? Si on le mélange avec d'autres, si on en prend trop à la fois, ça peut devenir un poison. Donc nous, il faut qu'on se contente simplement d'utiliser les fruits, d'utiliser les plantes, de cueillir les champignons que l'on connaît très bien. Dès qu'on a un doute, on laisse. Bon, je vais vous laisser, je vais vous abandonner sur votre île. Vous n'êtes pas perdu, là, il y a du monde. Hein. Puis vous avez vos parents ici. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle aventure. Mais pour le moment, moi, je vais prendre mon bateau. Ouais.